Bonjour, aujourd'hui j'ai le bonheur de vous inviter à participer à la fin de semaine Enflammez-vous. Une fin de semaine à la fois pour célébrer, souligner les passages de votre vie et vivre des expériences d'initiation et des techniques d'éveil puissantes. Cette fin de semaine-là, elle m'a été inspirée entre autres par les expériences dans les ashrams en Inde où on vit des fins de semaine ou même des sessions plus intensives de 10, 21 jours ou plusieurs mois où on fait de la méditation active, des méditations qui sont dynamiques. Des méditations qui permettent de vivre des libérations puissantes, des transformations puissantes dans le corps et dans l'esprit, et également un rite de passage qui est celui de l'enflammement du bateau-tombe, imaginez, dans le creux d'une montagne, superbe lieu où on va être. On va amener des objets symboliques des parties de nos vies passées qu'on va brûler, dans un mini drakkar viking qui va être jeté sur le lac par la suite. Fait que ces rites-là, avec la musique tribale, des percussions, la célébration, sont inspirés des grands festivals comme Envision au Costa Rica ou Burning Man, pour ceux qui le connaissent davantage, dans le désert du Nevada. Alors, si vous voulez vivre une fin de semaine dans un esprit de communauté, de fraternité, où on va célébrer, souligner à travers le corps, la danse, les chants, les rituels, tous les passages de notre vie, et en même temps activer, parce que c'est des processus de dépassement de soi, c'est que des méditations qui sont actives, qui sont bougées, qui sont chantées. Si ça vous tente de vivre cette intensité-là et en même temps d'être émerveillé par des rites de passage symboliques pour marquer des étapes décisives de votre vie et renaître à travers la flamme, je vous invite à participer avec moi et toutes ces personnes qui vont joindre à moi à la prochaine fin de semaine. Enflammez-vous. Au plaisir de vous y voir.